Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Vous l'avez vu au titre. Simplement, regardez ce que j'ai à côté de moi. J'ai du coup la De Violette Opéra que j'ai gagnée durant la vidéo de Michou. Michou, t'es vraiment le boss. T'es vraiment le boss. J'ai De Violette Opéra là. Là, les gars, on va la déballer et j'ai envie de tester absolument un truc, les amis. C'est de mettre les deux. Parce que regardez, simplement déjà là, les kiki. C'est que, bah, simplement pour ceux qui suivent, j'ai bah déjà une De Violette Opéra en fait. J'en ai déjà une, donc voilà, c'est ça, hein. Ça ressemble à ça. Pour ceux qui connaissent pas, attendez, voili voilou. Donc en vrai, les gars, comment vous décrire ça? Ça fait un son de malade. Bon, c'est un peu cher pour ce que c'est. C'est vraiment trop cher même pour ce que c'est. En fait, en gros, ça fait enceinte, mais à la fois, ça fait petite statue futuriste. Enfin, c'est stylé. En vrai, c'est méga stylé. Et je kiffe tellement le son que regardez. C'est vrai que je vous l'ai pas dit ça, mais regardez ce qu'il y a là, les gars. Bah, le gars, il est complètement fan de Violet en fait. Hein. Bah là, il y en a une. Voilà. Et là, il y en a une. Mais ça, c'est les plus petites. Ça, c'est les réacteurs. Et là-bas, c'est les fantômes opéra, les amis. Alors, donc, le moindre son, on se fait boycott par nos voisins. Boycott, alors... non, on se fait engueuler par les voisins, j'avoue. Ouais. Ouais, les voisins, les gars, dès qu'on fait. Bah, en fait, en gros, ça fait tellement des basses que les voisins, pourtant, la maison, elle est pas collée. On n'est pas en. Comment on dit quand c'est collé? Mitoyen? Mitoyenne, ouais. Mitoyenne, c'est pas. On n'est pas en maison mitoyenne, mais je peux te dire que dès qu'on met la musique, toc, 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 baissez votre son. En tout cas, les petits potes, bah écoutez, c'est parti, je vais déballer tout ça. Et ensuite. On fera péter la musique, les gars. On écoutera une musique, ma musique coup de cœur du moment. Du coup, bah, les pouces en l'air, dans les commentaires. C'est parti. Code créateur Valouz, les gars. Allez, let's go, les amis. D'ailleurs, pour ceux qui se demandaient, Michou, pendant sa vidéo Trickshot, d'ailleurs, je la mettrai en description pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, où j'ai gagné justement cette De Violet. Il y avait certains cadeaux qu'on n'avait pas pu commander, ou par exemple, comme le resto là qu'on doit faire ensemble, bah, avec le Covid et tout, c'est chaud, donc c'est décalé. Mais la PS5 aussi, pareil, moi, je lui dois une PS5. Elle est toujours en rupture de stock de fou, les gars. Je regarde quasi tous les jours, tous les matins, en me réveillant. Je regarde pour voir si je peux lui acheter sa petite PS5. Rupture. Rupture, les gars, vraiment. Après, il a reçu son sèche-linge. Oh là 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 là, regarde. Regardez-moi ça, les gars. Bon, je la connais déjà, en fait, hein, du coup. Bah, c'est toujours un plaisir. Déjà, je pensais jamais de ma vie en avoir une. Juste une, hein. J'en ai déjà une parce que c'est Pidi qui me l'avait offert à mon anniv. En vrai, c'était le meilleur cadeau. Hein. Et là, du coup, une deuxième, frère. Je vais pouvoir, mais vraiment, je vais pouvoir mettre des deux Violet Opéra, les gars, en stéréo. Ça n'a aucun sens. Parce que pour ceux qui ne savent pas, une enceinte, je suis pas là à dire, ouais, les gars, trop bien, j'ai une enceinte méga chère et tout. Je m'en fiche, tu vois, genre... Juste, bah là, c'est un kiff, tu vois. Et vu que c'était en vidéo que je l'avais gagné, je me dis, vas-y, je vais tester avec vous deux opéras parce que, bah, je vais même pas si ça se trouve sur YouTube. Et parce que, bah, j'ai envie de voir, en fait, j'ai envie de kiffer, hein. Mais du coup, c'est plus ça, les gars. Là, je suis là, je kiffe. Gros, je vais pouvoir, mais j'en reviens toujours pas, en fait. Phantom Implosive Sound De Violet, ingénierie acoustique de France. Mais ouais, d'ailleurs, les gars, c'est vrai que même sur la chaîne de Bousy, on avait fait un opening de Violet d'Opéra pour le local, mais qui s'est fait voler. Et d'ailleurs, bah, y a de nouveau une, en fait. J'avoue. Mais il n'y a plus le pied. Ça pèse cette merde. Oh là là, laissez place au bébé. Oh là là, regarde dans cette petite housse-là. Ça, c'est une dinguerie, je suis en train de la déshabiller, frère. Ça y est. J'en ai officiellement deux, bordel. Je reste vraiment choqué, hein, pour le coup, parce que, mais... Qui, en vrai, qui a une De Violet chez lui et qui approuve, en vrai, de vrai? C'est vrai que... Bah, pour le prix, je pense qu'en vrai, il y a peut-être mieux. Je pense, hein. Je suis pas du tout expert, les gars, en la matière. De Violet, je connaissais d'il y a longtemps parce que j'ai un pote qui avait les petites. Des comme ça, mais encore plus petites, hein. C'est vraiment les plus petites, plus petites. Je trouvais que pour le petit gabarit du truc, ça faisait un putain de son. Et ensuite, Michou avait acheté, je crois que le Michou, c'était le premier, hein, avait acheté la De Violet Gold, Phantom Gold. C'est celle juste en dessous. Bah, en fait, c'est le même modèle, hein. Jusque-là, en fait, en gros, l'opéra, c'est parce que c'est signé Opéra de Paris et c'est avec des petites feuilles d'or. Voilà. Mais Michou avait la gold, donc c'est l'équivalent puissance et son, etc. de celle-là. Ça crachait. Ça crachait à mort, les gars. J'étais en mode wow, c'est quoi ce délire? Genre, je me suis jamais intéressé à ce style d'enceinte et tout. C'est quoi ce délire? Et c'est comme ça que j'en ai voulu une à mon anniv. Mais genre, j'étais en mode, tu sais, genre toute ma famille, c'est en mode tu veux quoi ton anniv? Au pire, on fait une cagnotte, etc. Et au final, c'est Pidi qui l'a prise à elle seule. Elle a géré de ouf. Meilleur cadeau de ma vie, clairement. Et du coup, bah voilà, la petite histoire. Ici, nous avons le pied, les amis. Oh. Wesh, mais c'est quoi ce délire? Je crois pour un pied d'enceinte, t'as vu l'emballage de
fou, gros. Tu peux même mettre tes mains là. Rien que le polystyrène, il a un flow, mec. Il a un flow. Hop. Donc ça, c'est la base. Là, il y a le petit poteau. Là, il y a Mustang, le curieux. Et mais d'ailleurs, attendez, mais je me suis fait... Mais je me suis fait douiller, là, non? Mais normalement, ça, c'est en bois, ça, non? Attendez, je vais aller voir là-bas. Bah, carrément! Regardez, normalement, c'est ça! Mais quoi? Ah, putain, c'est Michou qui a fait la commande. Michou, je crois que tu t'es trompé, frère. Oh, je vais pas me plaindre, hein. Je vais pas me plaindre, loin de là. Ah, putain, du coup, là, c'est blanc. Oh, le seum. Enfin, j'ai pas le seum, c'est un... Enfin, si, en fait, c'est bizarre à expliquer. C'est un cadeau, je peux pas avoir le seum. Je suis trop content. Et au pire des cas, j'ai trouvé une petite solution pour le pied. Au pire des cas, Bouzy, si tu vois cette vidéo, on fera un échange. Au local, vu que toi, t'as pas de pied. Au local, on rachètera un pied en bois. Moi, je le prendrai. Si je l'achète, tu vois. Et je te donne celui-là. Je t'offre celui-là. C'est vrai que ça fait bader. Je les one-shot. Je les one-shot. Bon bah voilà les gars. Plus qu'à la brancher, la mettre là-bas et puis... Oh ça c'est trop stylé, regardez-moi ça les gars. Donc là tu vois j'ai connecté les deux. Et en fait je peux les appareiller en mode stéréo les gars. Créer une paire stéréo, c'est parti. Je suis comme un gosse, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je sais que rien qu'une seule les gars, j'en ai fait des soirées maintenant avec hein. Rien qu'une seule ça fume à mort. C'est, ça fait du son de malade. Donc j'imagine même pas avec deux. Je pense que ma pièce je vais péter des trucs. Touchez la fantôme opéra. Posez votre main dessus. Des barres. Hein. Les petits potes, c'est bon. Du coup, normalement, elle marche. Attention, je vais baptiser la nouvelle venue avec le nouveau son de Gizzy, le frérot. Brrr, qui est méga lourd d'ailleurs, hein, les gars. N'hésitez pas à aller streamer ça en balle. Gizzy, ratata, son normal. Je suis. Allez, là, je suis à un quart. Je vais peut-être fermer, si je commence à faire péter la musique, les gars. Je vais même fermer le volet, ti. Les bottes de night. Il faut que je ferme tout, les gars. Bon, c'est parti. Attention, je monte. On a la moitié, là. Par contre, on n'entend plus rien. Ça va trop fort. On peut même plus se parler. T'es obligé d'avoir les tasses à livre pour déboucher tes oreilles. Mais attends, mais c'est abusé, gros. Ah ouais, elle s'envoie. Hein. Ah ouais, ça envoie de lourd. Je sais pas s'il y a des blancs à celui-là. Mais je sais pas, ils se sont trompés ou je sais pas. Allez, c'est reparti là. Qui connaît process, toi t'es dans la S. Vas-y, twerk. Un pas devant droite, droite, la ta ta ta. Un pas devant gauche, la ta 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 ta. Un pas devant droite, droite, la ta 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 ta. Un pas devant gauche, la ta 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 ta. Dinguerie, attendez. Je vais en mettre une plus là et une plus là-bas pour voir si on entend un en mode stéréo. Tu crois que les voisins ils vont venir ou pas là? J'en sais rien du tout. Les voisins ils doivent travailler, je pense. Hein. Mais ils arrivent. Mito. Sérieux? Sur un rot, si. Bon, en vrai, je suis en train de vous faire un test son, les gars, alors que c'est le son de ma cam, donc vous allez rien entendre. Mais voilà, ça vous donne un avis et puis voilà, moi je kiffe. C'est le but, les gars. Vous êtes prêts, c'est reparti. Gizzy, fais péter le son! Doucement, je vais brûler la piste. Doucement, je vais brûler la piste. Yeah. Un pas, deux pas, droite, ratatatata. Un pas, deux pas, gauche, ratatatata. Un pas, deux pas, droite, ratatatata. Quel dingue, les gars! Wow! Ah ouais, on entend fort en vrai. Même encore là. La dinguerie, c'est un truc de fou les gars. Un pas devant gauche, la ta 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 ta. Demain je me barre en city trip, car tu as la mabella. Un pas devant
C'est un truc de malade. Wouh, en vrai, c'est un truc de fou furieux, hein. Vraiment. C'est un truc de fou furieux, les gars. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte à travers les leçons, mais c'est un truc de fou. Hein. Ouais, j'avoue. Oh, il est je suis obligé de parler fort, j'ai l'impression là. Ouais. Wow. Et j'ai l'impression, ouais, mes cordes vocales, elles se sont. J'ai l'impression que j'ai été en boîte de nuit là. Moi aussi. Tellement je parle fort. Et... moi aussi. Wouah, quelle dinguerie. Et quand je vais faire des soirées, ça va être un truc de malade. Ça, tu mets ça dans le salon, une là-bas. C'est les petits qu'on a. Ah, les voisins. Ah ouais, on a 4 de Vialet à la maison, quoi. Mais dinguerie, les gars, dinguerie, trop bien. Franchement, lourd, et en plus avec le petit son de Gizzy, voilà, n'hésitez pas à les stream, les gars, c'est le frérot. C'était la petite vidéo où j'ai reçu, j'ai déballé le cadeau de Mich. D'ailleurs, il y a aussi le gilet pare-balles Décathlon que j'ai toujours pas, parce que rupture de stock, et avec les confinements, je sais pas ce qui se passe. Ensuite, j'ai reçu les Philips Hue. Les ampoules, parce que j'avais gagné ça aussi. Faut que je les mette dans la chambre des invités, comme ça au moins quand Michou, tu viendras. Tu pourras mettre l'ambiance que tu veux dans ta petite chambre. En tout cas, les petits potes, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo complètement improvisée. J'avais envie de déballer ça avec vous, les gars. C'est un truc de malade, je suis trop content, je suis vraiment un gosse. Et puis j'avais envie de tester pour la première fois et avoir ma réaction. Comme ça, bah en vrai, c'est marrant. Voilà, moi ça me fait rire. Bah voilà, je vous laisse. Les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Code créateur, va le les gars. Brrr. Salut les petits potes. Par contre maintenant je la mets trop, parce que j'avoue que celle là-bas elle était bien là, mais là j'ai pas de place ici. Peut-être là. Et comme d'habitude, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, les gars.